Hey, salut à toi qui regarde mon let's play de Sigma 1. Donc, quatrième level de ce jeu sur 19. Bon, ce level est assez court, ça devrait être vite réglé. Donc, nous sommes à Tyrone, capitale de Vigor, il n'y a pas plus fort. Il faut que j'arrête de sortir cette vanne par pitié. Donc, cette fois-ci, ce sont des putains de robots qui nous attendent. Voilà. Oh merde. Oh putain, je commence déjà mal. Voilà, c'est ça que je voulais faire, merci. On a déjà perdu de l'énergie bête là. Donc ce level n'est pas trop dur, mais disons que bon, il y a certains endroits où vous pouvez vous manger des putains de dégâts facilement. Donc bon, il faut faire gaffe quand même quand vous faites ce level. De toute façon, il faut faire gaffe dans tous les levels quand vous jouez à Master Ninja, hein, c'est clair et net. Hein. Voilà, donc cette ville fait un peu médiévale. Et ce qui me fait marrer, c'est que ben, au milieu de cette ville qui fait un peu médiévale. Et ben on affronte des robots, c'est génial quoi, le choc des cultures. Bon, une potion en plus, tant mieux. Donc on va continuer. Oh putain, on m'attend. En fait, c'est quasiment les mêmes ennemis qu'au troisième level. Sauf qu'ils sont plus. Non, même pas plus résistants, ils font juste plus de dégâts en fait. Voilà, suffit de faire comme ça et ils sont déjà calmés. Bon, je vais ranger ça par contre, voilà, hop. La vie des dieux, tant mieux. Ça me permet de rajouter une orbe, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et on est au max au niveau des flèches, tant pis. Ah, c'est une putain de ville militaire ici. D'autres bourrées de nazis, je parie. Alors là, il faut faire gaffe de l'endroit où tombe. Le lance-grenade, c'est-à-dire le robot doré. Voilà, c'est tout. Encore une fois, le premier faut tuer. Oh, bien sûr, si vous pouvez tuer les autres, profitez-en. Mais il faut vraiment essayer de repérer le robot doré. Putain, merde, j'ai pas absorbé l'orbe, tant pis. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce fucker? Non, d'accord, il a pas l'air d'être là. Ah non, il va essayer de nous flinguer, c'est pas... Ah, le voilà. Le voilà, le grenade. Donc on va te tuer en premier, comme je disais. Allez, crève, merci. Pas d'autres lance-grenades. Eh oui, il y en a encore un. Oh merde, il est pas mort. Toi, tu vas mourir, merci. Où est-ce que tu vises, Ryu? Où est-ce que tu vises? Arrête d'essayer de taper Casper le petit fantôme, merci! Orbe bleue, ouais, on va quand même la prendre normalement. Encore un lance-grenade, putain de merde! Oh non, 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 me fais pas ça, Ryu! Voilà, le problème est réglé! Non, encore un vivant? Oh, d'accord. Voilà, problème réglé. Ce fut pas très facile, mais bon, on s'en sort bien. Et je me fais déjà agresser dès la première rue. Oh merde, c'était une bleue, fait chier. Mais bon, je vais pouvoir récupérer quelques orbes ici. Voilà. 3822, c'est cool. Donc, on va passer par là, donc là, c'est pas ici qu'il faut aller, mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'ici, vous avez une nouvelle arme, le bâton lunaire. Cette arme vous a manqué, pas vrai? Et pourtant, dans ce jeu, on va moins l'utiliser que dans Sigma 2, croyez-moi. Il y a des bons endroits avec, mais ce sera très utile, mais d'autres moins. Putain, ils sont déjà de retour? Pas possible. Ils se sont déjà réveillés ou quoi? Eh non, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Tu sais quoi, crève, tu m'énerves. Allez, une petite orbe bleue, s'il te plaît, merci. Et une autre orbe bleue, yeah. Commence à comprendre, les mecs, c'est bien.
Et là, je me pose une question très essentielle là, mais quand je tue les robots, il y a du sang qui gicle, mais c'est des robots avec du sang? Mais c'est quoi? Non, alors comme dirait Vegeta, alors c'est quoi? C'est du sang ou de l'huile? Ouais, alors là par contre, attends voir. Là, j'aime pas trop cet endroit, mais alors, pas du tout. Quand tu veux, merci. Merde, non, je passe au champ de vision, merde. Oh! Il peut me toucher d'ici! Oh, attends, tu sais quoi? Je suis pas bon. Putain, je le touche déjà plus. Génial. Bon, tu sais quoi? Je vais pas m'occuper de ces types, tant pis, de toute façon. Ce fut très rapide. Ce fut très 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 rapide. Dégage, ratatouille. Enfin bref, tout ça pour dire que Ayane, quand tu veux, hein, tu me fais la visite guidée. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Alors, on va rajouter la vidéo. Hop. Je m'occuperai de cet endroit plus tard. Enfin, c'est pas la peine que j'insiste. Ils font très mal, ces enfoirés. Nunchak, ça me servira à rien, ça c'est vraiment une arme vraiment pour le fun, ça me sert à rien, on va sauvegarder, allez hop. Il est 3h du mat, hein. Je vous préviens, il est juste 3h du mat, quoi. Voilà, quoi. Donc la suite c'est ici. Il n'y a aucun problème à cet endroit. Le magasin de Muramasa. Le vrai, c'est ici, à Vigor. Attends, attends, attends 2 secondes là, mais c'est pas un peu cliché là ce qu'on vient de voir là? Je veux dire, le vieux qui parle tout seul là. Non, s'il te plaît quoi. Dis, c'est très cliché, je suis désolé quoi. Bon, qu'est-ce qu'il me propose? Oh, c'est rien que j'augmente l'énergie pour cette potion. Non, je parle pas tout seul, je suis en train de faire une vidéo. Non, non, arrête de dire des bêtises, je parle pas tout seul. Je parle à vous, ceux qui me regardez. Bon, là ça va pas être très marrant. À cet endroit-là, c'est pas évident. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les shurikens comme arme de lancer. Voilà, merci. Et bah, je suis pas le seul à jouer le tard le soir, apparemment. Quoi? Vous oubliez? Vous osez fermer la grille devant moi? T'as raison. Cours-moi dessus. Cours vers moi, t'as raison. Oh la triche! Oh la putain de triche! Putain de merde, il est dangereux celui-là! Ouh, qu'il est dangereux! Putain, les grenades elles vont vraiment loin là! T'as raison qu'il balance son lance-grenade ce mec! Oh non, ça fait juste très très mal ça! Oh mon dieu, mon dieu! J'ai déjà perdu pas mal de potions, c'est pas cool ça! Encore un autre. Bon, toi, tu vas me donner tout ce que t'as. Voilà. Il y a combien d'orbes là? 132, bon bah je peux rien acheter de toute façon. Ouh là, j'aime pas ici par contre. J'aime pas du tout. C'est là que j'aurais besoin de grenades portatives à la Duke Nukem là. Pas gentil hein. Si j'ai utilisé trop de potions. Ah putain. Trop loin. Tant pis. Fais-moi le plaisir de crever sans déconner. Voilà quand même.
booster bleu serait cool. Même pas, putain. Voilà, vous êtes mort. Par contre, pour ce qui vient, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une autre arme. L'épée du dragon, voilà, seul, ce sera mieux pour ce qui vient. Parce qu'on va retrouver nos vieux amis, les Black Spider. Oh, comme ça fait pas plaisir de les revoir. Pourquoi ils restent pas dans leur pays, ceux-là? Bon, au moins on a le compte cette fois-ci, donc ça va être normalement un petit peu plus simple. Plus l'Izuna, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Casse-toi! Voilà, c'est déjà beaucoup plus simple, ça. Et bon, tout ça pour avoir ceci, c'est-à-dire... qu'est-ce que c'est encore que ça? Esprit des diables, c'est très intéressant puisque ça vous permet d'améliorer... Non, ça permet pas d'améliorer un impôt, ça permet d'avoir un impôt supplémentaire, ça c'est cool. Par contre, ce que je vais faire à cet endroit, c'est que je vais aller sauvegarder. Pas trop le choix là. C'est ça, flinguez-moi si ça vous chante. Flinguez-moi si ça vous amuse, y a pas de problème. Vous allez vous en mordre les doigts. Ah non, c'est vrai, vous êtes des robots. Aïe. Je parie qu'ils sont de retour, les autres phénomènes, là. Bon, au moins, bonne nouvelle, c'est qu'après ce level, on va pouvoir commencer le farm. Ça, c'est bien. Là, je peux pas trop farmer pour l'instant. Il n'y a pas de test de valeur en plus dans ce level. Ouh, vous avez mangé là. Ouh, je vais avoir des bonnes herbes là. Là, c'est clair. Ouais, génial. Je peux m'acheter une potion supplémentaire au moins là. C'est ce que je vais faire. Acheter une herbe supplémentaire. Une potion, je veux dire. Voilà. Ça devrait aller pour la suite. Je vais reprendre mon épée du dragon. Parce qu'on va encore avoir plus de Black Spider, malheureusement. Attends, alors. Il y a juste deux grosses erreurs dans ce que tu viens de m'envoyer là. Il y en a déjà d'une. Ils sont pas noirs, ils sont rouges. Et de deux. Je les ai déjà croisés, donc c'est trop tard. Putain, t'es devenue lente, ma parole. Bon, Scarab et d'or. Bon, ça, je peux pas détruire pour l'instant, tant pis. Il y a un putain de bon truc à l'intérieur, mais je peux pas le détruire pour l'instant. On va aller ici pour essayer de récupérer pas mal d'orbes, mais par contre, il y aura encore des putains de Black Spider, je pense. Ouais, c'est même sûr. Donc on va essayer d'être très prudent et faire la bonne vieille méthode comme au premier level. Ah putain, ça fait mal. En gros, j'ai des orbes pour récupérer tous les objets que j'utilise. Non, je voulais pas utiliser un deuxième, merci. Et déjà un qui est mort, allez hop, crève. Et un autre. Ah, ce fut facile. En fait, c'est ici qu'il y a pas mal d'orbes, intéressant. Dont un inpo, et là je passe à combien? 6022, c'est cool. Et je crois qu'il y a encore un groupe de Black Spider juste là, malheureusement. Eh oui. Putain merde. Dès qu'il a paru. Toi t'es mort. Voilà, et un autre qui est mort, génial. Un qui a osé survivre. Voilà, maintenant qu'on a plus de technique, vous faites moins les malins les mecs, hein. Vous me faites pas peur maintenant. Pas le moins du monde.
C'est là que vous vous rendez compte quand même que le jeu est plus facile, hein, parce que maintenant que vous avez le technique, vous avez vu le Black Spider, j'ai même plus besoin de faire tout le temps le saut à la con là. Journal de Suki. La femme que j'ai vue ce soir à Vigor était d'une grande beauté. Je dois persévérer, éviter de me déconcentrer. Patience et persévérance, oui. Je l'ai revue, cette femme massacre. Putain, y a encore tout ça. J'ai glissé, je me suis gravement blessé au cours d'un combat contre le MSAT. Je peux plus rejoindre mes frères du clan de l'araignée noire. Mes provisions sont presque épuisées, je sens bien que je n'en ai plus pour longtemps. C'est une blague. Non mais... Non mais... Le mec... Le mec, il a glissé, il s'est gravement blessé, et ses potes ne viennent même pas l'aider, il est mort comme ça. Mais tu parles d'un ninja? Non mais c'est vidéo gag, mec, là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est vidéo gag, c'est pas possible. Ouais, un élixir, c'est bien ça. Et encore des ennemis en bas, toujours plus d'ennemis qui reviennent à la charge à chaque fois. Non mais c'est une blague quoi, ce que je viens de dire c'est juste pitoyable quoi, je suis désolé quoi. Oui j'ai mangé des tortillas. Ça pose un problème. Enfin bref. Ah oui ça pose un problème pour moi effectivement. Parce que là je sens bien le problème. Ouf. Ouais, oh calmos, calmos, calmos. Oh putain! Voilà, ce fut déjà réglé. Attends, voir, je vais peut-être aller sauvegarder, on sait jamais. Oh, quoique, non, ça devrait bien se passer. Ah oui, acheter encore des provisions, ce serait bien. Oui, j'aime bien avancer comme ça, ça pose un problème. What? T'es sérieux là? Non. Je viens de faire une découverte monumentale quoi. Je savais même pas ça. Je savais même pas. Je vous garantis, j'étais même pas au courant de ça. Même pas à l'espace d'un instant, je le savais quoi. Je sais pas, j'avais décidé de m'amuser bête. Parce que je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui ont pris plaisir au fait que je balance des étoiles sur Muramasa pour toutes les fois où il vous a arnaqué, mes frères. Ce type de... Alors bon, enfin bon, le peu d'orbes qu'il a donné, je me disais, putain, t'imagines s'il donne 10 000 orbes comme ça d'un coup, putain. Bon, on va quand même sauvegarder finalement. Ma décision est prise, voilà. De toute façon, personne ne peut m'atteindre ici. Mais je le savais pas pour Muramasa, sans déconner. Au moins, c'est pas comme dans Sigma 2 où quand vous touchez un allié, ça y est, c'est game over. J'hallucine. Non, vous allez me foutre la paix, vous êtes bien gentil. Je sais qu'il y a encore des putains de Black Spider ici. D'où il vient lui? Bon, j'ai compris. Wow, putain, alors là, c'est plus... Je suis plus d'accord, hein. Ici une potion finalement et voilà merci pour les orbes bleus voilà il est mort et j'ai pas utilisé de potion tant mieux ah non c'est l'autre côté merci
Mais pourquoi ils me suivent partout jusqu'au bout du monde ces types quoi? Mais oh putain, j'ai rien fait là. Quelle bande de mauvais perdants là. Shuriken moulin avant. Ouh, ça va être utile. Vous avez déjà vu ce symbole, votre camp semble chargé d'énergie. Ces types, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, sans déconner quoi. Ce truc te régénère, tu vois le logo de la Team Ninja et tu te régénères, forcément, bien sûr. Hein. Putain, moi j'ai toujours cru que la Team Ninja ça a inspiré quelque chose de malsain, quoi. Je sais pas, avec tout le bug qu'ils font et tout, avec cette série nommée Dead or Alive, remplie de femmes à poil. Putain, mais. Pour moi, la Team Ninja est malsaine. Alors, normalement, ça devrait être un cadeau empoisonné, tu devrais voir ton énergie défiler vers le rouge, quoi. Enfin, bref. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous avez également les ninpo qui sont récupérés, et pour la fin du level, ça risque d'être très intéressant. Le Bard Hans. Fais pas genre que t'es aveuglé. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà. Craignez mes ninpo que j'ai récupéré grâce à la puissance de Team Ninja. Le bug vivant. Voilà. Ah oui, il faut peut-être que je récupère ça aussi. Clé lisse. Non, ça va pas me servir à rentrer dans le bar, mais ça va me servir par la suite. Ce mec vient juste de se casser la gueule lamentablement. En fait, ils sont tous en train de se casser la gueule lamentablement. T'as les lumières roses qui flashent comme ça. Sérieux, j'ai l'impression d'être un bar à pute. Et ça tombe bien parce que regardez qui est là. Le tracteur vivant. Ouais, ça doit être une boîte de sadomasochiste. Elle doit travailler dans cette boîte sûrement. Du bon jus de groseille. Putain, mais elle va le chercher où son rouge à lèvres quoi. Fait flipper, sérieux, sa tête fait flipper quoi. Je suis désolé, elle, pour ceux qui l'aiment, mais elle, je la trouve vraiment trop laide quoi. Par contre, joli petit cul, hein. Non, c'était Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami, encore plus encore là. Putain, mais c'est bouffe, c'est abusé! Il dit ça avec tellement de conviction. Sais-tu que tes boobs bougent tout seul? Ces boobs bougent tout seuls. T'en sors jamais comme ça quand il y a du vent, quoi. Spider-Man, Spider-Man. Vous êtes qui, un proxénète? Tu es très crédible, bonhomme. Franchement, t'es crédible. Eh non, mais s'il te plaît, mais pas fin tes jours comme ça, bonhomme. Oh What? C'est louche tout ça, hein. Au début, je croyais que le mec, il allait vous les suicider parce qu'il s'est rendu compte. Même les ninjas, on voit pas leur gueule, ils arrivent à séduire les femmes et moi, non. Seulement 50 tués, ouais, bof. Je voudrais avoir un bon rang quand même, là. Simple. Ouais, s'il te plaît. Putain, sois pas méchant comme ça avec moi. Donc, revenons chez Rachel. Qui, oui, nous la contrôlons dans ce jeu. Il n'y a que Ryu et Rachel dans ce jeu qu'on peut jouer. Il n'y a pas d'Ayane. Non, Ayane, elle était en dessous du level de l'autière, donc on peut pas la jouer dans ce jeu. Voilà, quoi. Pour la petite anecdote.
Chapitre 5, ce sera pour la prochaine vidéo, bien sûr, comme d'habitude. À la recherche de sa sœur jumelle, Rachel, la chasseuse de démons, se rend seule au monastère de Dworku. Ah, je suis sûr que c'est le monastère de Dooku. Parce qu'en fait, si vous enlevez le W et le R, ça fait Dooku. Non. 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 J'ai voulu essayer de montrer que je peux être intelligent des fois, mais non, j'ai échoué. Bon, on va sauver les, on va s'arrêter là, hein, je crois. Hein, parce que là, je commence à être un peu fatigué. Il est 3h30. Voilà. Et je vous dis bonne nuit. Enfin bon, je suppose que... Voilà. À l'heure où je parle, tout le monde est en train de dormir, sauf moi. Non, vous me foutez la paix, les gars. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.